Bonjour, Yvan Folliot, je suis professionnel de golf et je vous accueille ici au practice de Villiers-sur-Marne. Nous allons voir l'organisation du corps lorsque la balle est posée sur le sable. Vous avez des sorties de bunker balle enfoncée et vous avez aussi les sorties de bunker balle posée. Quand la balle est posée, il faut favoriser un ricochet. Pour faire un ricochet, voici une position que j'appellerai neutre. L'inclinaison de cette phase de club qui s'appelle le loft est assez inclinée avec les sand wedges de 54 à 60 degrés. Et le talon du club s'appelle le bounce. Il vous faut utiliser ce bounce. Si le manche est un peu trop avancé de ce côté-là, l'arête du club est trop tranchante et s'ancre, favorable quand la balle est enfoncée. Là, elle est posée. Donc, il faut lui préférer une action de ricochet. Donc, le manche sera un peu plus de ce côté-là pour que le bounce soit dans une position favorisant le ricochet. Donc, nous nous organisons en fonction de ce club organisé pour que le ricochet se fasse sur le bounce. Le premier point est donc de pouvoir s'organiser en fonction du placement du club au départ. Si nous partons d'une position neutre, j'appelle une position neutre une face de club vers l'objectif, un corps en parallèle. Lorsqu'on a un grand coup à jouer, nous sommes dans cette position. Nous avons vu tout à l'heure que en positionnant ce manche sur le côté, le loft va plus vers le ciel et le bounce, le talon du club, sera dans une position favorable pour ricocher. Donc, de la position neutre, le manche se déplace de ce côté-là. La face de club est toujours square. Le corps, maintenant, doit s'organiser pour que ce manche pointe à l'avant du nombril, ce qui est le dénominateur commun de tous les coups de golf. Je m'organise, maintenant, pour me replacer en face de ce manche qui, lui, est bien placé, pour ricocher. Et mon corps, maintenant, est en place pour favoriser un coup en ricochet. Le deuxième point important, c'est une fois qu'on a compris que le corps s'organisait, c'est de relâcher les mains et de pouvoir replacer le grip en position neutre par rapport à ce club qui se retrouve un petit peu en position pelle à tarte, si je puis dire, pour que l'on ne soit pas dans le piège de faire ça et ça, mais sans changer les mains. Il faut relâcher et puis se repositionner le grip en position neutre sur un club qui lui est organisé pour favoriser le ricochet. Le point important que je rappelle, c'est que le fait d'avoir eu un club qui s'est délofté et que le corps s'est replacé avec le manche qui se pointe à gauche du nombril, à l'avant du nombril, fait en sorte que le corps en fait s'est ouvert. Donc nous ne sommes plus organisés pour le drapeau, mais nous avons un corps qui est dirigé à gauche, communément appelé ouvert. Il faut donc maintenant se laisser faire dans une action où le corps est organisé vers la gauche et pas un chemin de club qui suit la tête de club vers l'objectif. Nous ne sommes pas dans un mouvement qui suit la face de club qui, elle, est restée vers l'objectif, voire même un petit peu dirigé à droite, mais c'est d'autoriser un chemin de club organisé à gauche, c'est-à-dire ouvert. Le chemin de club sera dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Un chemin de club dans le sens du corps, c'est-à-dire par là. Maintenant, je refais le global en voyant l'organisation et le coup. Du neutre, je délofte, j'organise mon corps pour que le manche pointe à l'avant du nombril. Je replace mes mains en position neutre. Mon chemin de club va suivre le sens du corps. Voilà, en conclusion, il faut s'organiser convenablement au départ pour que votre coup soit préparé pour la réussite. En s'organisant favorablement, vos coups seront plus réguliers et votre mental sera dans une confiance favorable. Comme Gary Player, qui fut un des grands
golfeur légendaire qui joue toujours, il a passé des heures et des heures dans les bunkers, dans des situations vraiment différentes, pour être un homme très, très performant. Il a passé du temps à s'organiser convenablement pour qu'il soit dans un mental tout à fait favorable à la performance. Si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. Et je vous salue, à bientôt.